Alors, je vous ai montré une partie de mon haul. Alors, je ne sais pas si vous les aurez en même temps ou séparément. Je ne sais pas, je vais réfléchir encore à la chose. Mais comme j'avais quand même pas mal de choses encore à vous montrer, donc je voulais quand même prendre le temps de vous les montrer. Alors, ça arrive dans des pochettes comme ça. Alors, au niveau emballage, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. C'est pas top parce que c'est pas solide. C'est pas assez solide. C'est mal mené et c'est pas dit top. Mais bon, ça mériterait quelque chose de plus costaud parce que il y a des choses qui arrivent en mille morceaux. Enfin bon. Ensuite, j'ai pris donc le volume 8. Alors, vous avez vu le 1, le 2 et maintenant le 8. Voilà. Alors, les blocs, je vous ai pas dit la mesure. Ils font combien ces blocs? 17. Ouais, 18 sur 10. Voilà. Donc là, c'est des fleurs. Alors, on va ouvrir. Enfin, si on trouve le truc. Voilà. J'essaie de vous faire des vidéos de moins de 30 minutes, quitte à vous en mettre deux. Donc, toujours avec le petit emballage là, de la petite dame là, que je vais venir récupérer. Et puis, regardez, même la couverture est jolie. Voilà. Faut faire quand même. Regardez. Alors là, c'est plus sur le salon de thé, sur, ouais, c'est ça, les goûters. Voilà, les goûters, les cakes, les recettes, regardez, pour faire un junk ou un petit carnet. Hein. Enfin, faut faire ce que vous voulez, d'ailleurs. Thé anglais. C'est vraiment joli. Bon, après, il faut venir les utiliser. Voilà. Hein, c'est pas le tout de les acheter. Par contre, c'est dommage, hein, le vélo, là, il a été coupé. Hein. Pas de tiétier. Les papiers, ils sont pas très bien centrés. Hein. Regardez avec la cage. Là. Les papiers, c'est pas très bien centré. Hein. Oh, regardez celle-là, comment elle est jolie. Elle est belle. Hein. Alors pour le prix, ça vaut même pas le coup de les photocopier, hein, parce que ça coûterait plus cher d'encre et de papier. Hein. Donc. Bon, je ne viendrai pas les photocopier, hein, je vais m'en servir comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Celui-là est très joli aussi. Donc, je vais vous le reculer. Voilà. Regardez celui-là. C'était quand même très, très beau. Hein. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça a été mis à l'envers. Alors, je vous le montre parce qu'il est à l'envers, le papier. Enfin, dans le bloc, il a été mis à l'envers. Ouais. C'est bizarre, d'ailleurs. Le devant est à l'endroit et le derrière est à l'envers. Bon, bref, avec toutes les petites tasses, théières. Voilà. Celui-là. Puis, il y en a deux. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Hein. Alors, vous avez tout... Comme il y en a deux dedans... Bon, bah, vous prenez celui qui vous intéresse. Hein. Par exemple, vous prenez une page là. Et puis sur la page d'après, bah, vous en choisissez une autre. Hein. Voilà. Par exemple, vous pouvez prendre la première page. Ah bah, Béa. Ah, Béa, 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 Béa. Béa, elle a des problèmes avec ses mains en ce moment. C'est pas grave. Ça va passer. Lâchez-la. Alors, je vous y disais donc, vous pouvez utiliser par exemple cette partie-là, et puis comme c'est le même papier, eh ben, utiliser l'autre côté, par exemple. Ça peut être une idée. Hein, celle-là, c'est pareil. Vous avez celle-là, et puis derrière, vous avez celle-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, celle-là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser la partie qui vous fait plaisir, en fait. Hein. Regardez avec les cuillères.
Après, regardez cette dame, comme elle est belle. Voilà. Donc, après, vous choisissez regardez la dame. Jeune fille, comme elle est belle. C'est vraiment bijou, poème. Regardez ça. C'est quand même joli. Alors, il y a la tour Eiffel. Là, on coupait les pieds. Regardez. C'est du très très beau papier. De très bonne qualité. Et puis celle. De très bonne qualité. C'est vraiment du très beau papier. Voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai commandé des petits rouages. Enfin, les petits, ils sont des rouages normaux. Je vais vous le montrer. En mots. Alors. Je vais vous montrer. Le plus grand, ça doit être cette taille-là. Et le plus petit, bon, c'est celui-là, je pense. Hop. Non, même pas. Ça doit être ça. Celui-là. Voilà. Donc, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des comme ça. Des comme ça. Et puis ça, c'est pour un projet que j'ai. Qui va arriver. Voilà. Maintenant, je ne vous promets plus rien. Hein, parce que c'est tellement compliqué que... Ah non, c'est tellement compliqué que j'ai tellement... deux choses à faire. Je voudrais bien, hein, je voudrais pouvoir faire plein plein de choses. J'ai plein plein de choses en tête. Mais il me faut du temps. La gel presse va arriver aussi. Hein, pour vous montrer avec les tampons. Alors ça sera l'objet de tuto, mais plus tard. Hein, parce que évidemment, voilà. Hein, on a tout un camping-car à faire. Autant vous dire que c'est coton. Alors ensuite, j'ai pris ça. Alors j'ai vu ça sur une chaîne d'une copine. J'ai trouvé ces petits papiers très sympas pour faire du art journal. Voilà. Je vais... Ça se présente comme ça. Voilà. Ça se présente avec un petit bandeau. Bon, vous enlevez le petit bandeau. Et puis après, ça vous se présente en feuilles. Donc, il y a ce modèle-là. Voilà. Voilà. Ce modèle-là. Alors, vous l'avez en plusieurs. Hein. Je crois que c'est en quatre fois. À chaque fois. Donc, vous avez celui-là. Voilà. Idem en quatre fois. Vous avez celui-là qui est magnifique. Idem en quatre fois. Vous avez du papier vélum. Vous savez que mon amour pour papier vélum. Vous avez celui-là qui est super joli. Qui est comme ça. En blanc, comme ça, qui est super joli. Idem, vous l'avez en quatre fois. Voilà. Alors, vous les avez en vélum. Ou alors, vous les avez... C'est les mêmes modèles que les autres, mais en vélum. En vélum. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vélum, c'est ni plus ni moins du papier calque. Hein. Voilà. Donc, en quatre fois. Et puis, bah, vous avez celui-là aussi, qui est aussi en quatre fois. Voilà. Bon, c'est ni plus ni moins que du papier calque. Voilà. 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 Alors, vous allez voir sur le site, il y a plusieurs. Et ça, c'était... €1, je crois. €1,20 ou €1,25, je ne sais plus. Enfin, voilà. Alors, je ne vous mets pas les liens parce que comme il y a plusieurs boutiques qui font la même chose, à vous de chercher pour que bah, pour les trouver les moins chers. Voilà, hein, parce que ça fonctionne un peu comme AliExpress. Hein. Il y a plusieurs vendeurs et puis voilà. Alors, ce n'est pas un site chinois, hein, nous sommes bien d'accord. C'est un site américain.
voilà, qui est implanté en Amérique et puis qui est en partenariat évidemment avec avec des sites chinois. Voilà. Alors ce sont des produits chinois, mais Temu n'est pas chinois. Oui, c'est ça. Je fais attention à ce que je dis. Hein. Il y en a qui vont me relever. Hein. Donc, je me suis repris du washi. Je vais pas m'embêter. Je vais couper. J'ai pris un truc tout au long. Voilà. Donc, ça, je vais mettre ça là. Alors, je me suis pris cela. Alors, cela, c'est pareil. C'est joli. C'est plusieurs étiquettes. Alors, vous avez ces étiquettes là, voilà. J'aurais voulu vous l'ouvrir quand même. Par contre, alors le suremballage, voilà. C'est catastrophique quand même. L'emballage, le suremballage. Le... Alors, après, il faut que ça tienne quoi. Voilà. Alors, maintenant il faut trouver le bon côté. Je pense que ça doit être ça, le bon côté. Bon, a dit Pépin le Bref. C'est tellement collé qu'on n'arrive à rien faire. Ah, par contre, le suremballage, ça, ça ferme. Après, il faut bien que ça soit bien emballé, quoi. C'est sûr. Alors. Voilà. Donc, après, ce sont des petites étiquettes comme ça. C'est assez sympa. Puis bon, bah, vous venez découper et puis vous utilisez l'étiquette que vous avez envie. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà pour celui-là. Et puis j'en ai pris d'autres. Voilà, ça y est, voilà, je... Alors ici, on a le tri. Alors, je ne dis pas, c'est catastrophique parce que ils nous mettent 25 fois la même chose. Quoi. Alors, moi, je garde la petite étiquette là, parce que je la trouve jolie, donc je vais la mettre là. Je l'utiliserai prochainement. Voilà, comme ça, on va jeter. Voilà. Étiquettes, je les garde, ça peut servir. Et puis donc il y a les planètes, enfin le, ah, c'est pas une planète d'ailleurs, c'est un, comment on appelle ça, une MacMonde, enfin bon bref, j'arrive pas à les enlever. Je voudrais vous les montrer. Bon, je voulais... Ouais, enfin, je voulais pas vous décoller le truc, mais bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, bref. Donc, celle-là, je vous l'ai montré. Donc, il y a celle-là, avec les pipes, là, qui sont très jolies. Il y a les montres. Alors, c'est un peu flouté. C'est assez sympa. Parce que ça fait pas net, net, net. J'aime bien. Voilà. Ensuite, vous avez des petits comme ça. Voilà. Très, très mignon aussi. Voilà. Là, c'est avec des notes de musique. Vous avez... Excusez mon ventre, il gargouille. Vous avez celui-là. Merci. On viendra faire des petites créas avec tout ça. Ça, c'était pas excessivement cher. Je crois que c'était 98 centimes.
Donc, c'était vraiment pas excessivement cher. Hein. Voilà. Alors, regardez. Alors, par contre, niveau colle, ça doit se décoller autrement. Hein. Bon, bref. Voilà. C'est comme ça. De toute façon, hein, vous savez que le washi, c'est jamais super collant. Hein. Celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Celui-là. Voilà. Alors, il y a peut-être une pellicule, hein, je n'ai pas regardé. Et puis celui-là qui est rigolo parce qu'il y a marqué fragile dessus. Voilà. Donc voilà mes achats. Rien de bien machiné. Sans ça, je suis à l'action. Alors, je vais vous montrer. Bon, je n'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai pris ces petites boîtes-là. Voilà, toujours dans l'optique de ranger. J'ai pris les petites barquettes d'alu comme ça pour faire le barbecue. Voilà, bon, c'est tout. Un allume truc mèche machin chose pour faire la résine. Une petite boîte, voilà, hein, pour mettre l'eau dedans, parce que je suis toujours embêtée avec l'eau. Et puis, bah, du PEC. Très intéressant. Enfin, du PEC, ouais, enfin, du produit vaisselle. Et puis, du folc. Voilà, j'ai pris cuivré. Et j'ai pris argenté, tout ça, pour mettre dans la résine. Bah, c'est tout. Voilà, après, c'est que les mêmes boîtes. J'ai rien acheté chez de à part ça, parce que ça c'est pratique, parce que j'avais un problème, c'est que ici il n'y a pas d'eau, et puis voilà quoi, hein, faut bien dire ce qui est, hein, quand il n'y a pas d'eau, ben on fait avec. Donc je vais vous faire de gros bisous, il y aura des vidéos qui vont sortir. Si vous voulez voir la résine, hein, les rendus de la résine, ou même on fera de la résine ensemble. Hein. Je ne suis pas une pro de la résine. Hein. Attention, hein, si je débute, je vais pas non plus vous faire un truc. Hein. Voilà. On commence petit pour arriver à grand. Voilà. Ces boîtes-là, par contre, ça sont bien parce qu'elles sont plus grandes que celles-là. Voilà. Donc, pour faire du rangement, ça va être top. Du rangement, il y en a à en faire, je peux vous garantir. Allez, je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous aime.